Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Je mets une demande devant de ton trône en ce jour pour ta parole. Que tu me donnes la capacité de l'enseigner. Revêtu d'une onction particulière. Afin de communiquer ta pensée. De rendre accessible la connaissance révélée. Permettant ainsi à chaque personne d'avoir accès à la connaissance de ta parole et d'agir par elle. Afin que la vie de chacune des personnes qui m'écoutent soit éternelle, améliorée. Au nom suprême de Jésus. Que la foi soit transmise par la parole puissante. Afin que chaque personne ordinaire ici puisse être à même d'accomplir des actions extraordinaires opérant dans la dimension supérieure, la dimension de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Hébreux 11, 1 à 6, on y va. 1, 2 et 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Si tu écoutes ma voix, que ce soit ici, que ce soit dans une contrée lointaine, que tu sois dans ta voiture, à la maison, à ton bureau, face à l'internet ou à la télévision, à la radio, je voudrais simplement te demander de t'apprêter à recevoir une parole qui va radicalement changer ta vie et te positionner sur la plateforme de la visitation par la merveille que seul Dieu est capable d'accomplir dans la vie de quiconque place sa confiance en lui. Le thème que je vais introduire ce matin, je l'ai intitulé « Les secrets de la foi ». Les secrets de la foi. La foi est, à mon avis, le sujet le plus important de la parole de Dieu. Mais il est aussi le sujet le plus incompris et le moins exploité. Parce que les êtres vivant sur la terre ayant une alliance avec Dieu n'ont pas joui et exploité pleinement tous les avantages qui sont rattachés au fait d'avoir la foi en Dieu. Et c'est pourtant, parlant de la foi, une ressource disponible pour chaque citoyen du royaume des cieux. Et vous voyez, si vous prenez la résolution de vivre par la foi, vous avez simplement pris la décision de mener une vie distinguée et une vie célébrée dans votre génération. La foi donnera à quiconque la possède de manifester la puissance de Dieu au-dessus de toute habileté humaine. Car en agissant par la foi, nous agissons avec la puissance qui est en Dieu et que seul Dieu est capable de posséder. Les hommes, par leur réalisation humaine, ou par
leur intelligence ont évolué sur le point de la science. Nous avons par exemple le clonage, nous avons les bombes atomiques, nous avons de grandes découvertes, des fusées qui montent et vont jusqu'à la Lune. Mais laissez-moi vous dire une chose. Toute cette puissance humaine est inférieure à la puissance de la foi. Car la Bible nous dit que ceux qui ont possédé la foi ont obtenu de Dieu un témoignage favorable et ont fait des exploits bien au-dessus de tous les exploits que nous pouvons faire avec notre intelligence humaine. Bien-aimé, c'est par la foi, par la puissance contenue dans la foi, que Abraham, âgé de près de 100 ans, avec une femme qui était monoposée depuis longtemps, sans le concours du Viagra, alors que son corps était déjà usé, a été rendu capable par Dieu d'avoir un enfant. C'est par la foi que Moïse, sortant d'Égypte avec le peuple d'Israël, allant à la terre promise, car il fit face à la mer Rouge, a été à même, sans un bateau, sans une pirogue, sans une chaloupe, sans un pont, a traversé, il a été à même à traverser cette même route, cette mer Rouge, comme s'il passait sur une terre asséchée. Car à son ordre, obéissant à l'instruction du Seigneur, la mer s'est fendue en deux, et le peuple d'Israël a traversé comme passant à sec. Et la Bible dit que les Égyptiens qui en firent la tentative ont été engloutis. Ça veut dire que si nous marchons avec Dieu et nous avons la foi, Dieu nous donnera de faire des choses inimaginables, insoupçonnables. Et les hommes seront étonnés à cause de la gloire de Dieu qui sera rattachée à notre vie de tous les jours. C'est cette même foi qu'Élie avait, un homme comme toi, avec deux oreilles, avec un nez, avec une bouche, avec deux pieds, avec un ciel au-dessus de sa tête et une terre sous ses pieds, a été capable de défier la nature et ses cycles. Quand il s'est adressé à Israël et a dit à tout le peuple, il n'y aura plus de pluie pendant, à ma parole, et il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Personne n'a pu comprendre ce qui s'est passé, mais c'était un homme avec son Dieu qui était capable d'accomplir un exploit pareil. Et à sa parole, 3 ans et demi plus tard, les écluses des cieux se sont ouvertes et la pluie a recommencé à descendre. Faites attention à une parole de foi quand elle est relâchée. Ce qu'elle produit est terrible, parce que la puissance qui est derrière la foi, c'est simplement insoupçonnable. C'est par la foi que Jésus-Christ, quand on lui a annoncé la mort de Lazare, qui était d'une famille amie au Seigneur, que Jésus, pour les hommes, est arrivé en retard. Lazare était enterré depuis déjà 4 jours. Mais pour Jésus, il était arrivé au temps convenable, pour démontrer aux hommes la grandeur du Dieu qu'il sert. Quand il est arrivé, la Bible dit qu'il a eu une conversation avec Marthe et Marie, les deux l'ont accusé en disant, « Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Et Jésus a commencé à pleurer. Jésus pleura. Il a versé des larmes. Pas parce que Lazare était mort, mais parce qu'il s'est rendu compte que les gens qu'il avait côtoyés n'avaient pas compris que tout était possible à Dieu et qu'il n'avait pas de raison de pleurer tant que Dieu était encore présent. Amen. Alléluia. Quand il est arrivé, la Bible dit qu'il a fait face à la tombe de Lazare. Je vous garantis, Lazare était déjà mort. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Lazare n'avait plus de capacité d'entendre, mais par la foi de Jésus, Jésus a dit, Lazare, sors. Et Lazare a obéi. Dites-moi, si la foi vient de ce qu'on entend, comment est-ce que Lazare a fait pour entendre? Ça veut dire que de là, des oreilles naturelles. Au-delà de nos oreilles, il existe des oreilles qui sont capables d'entendre
ce que la parole de Dieu annonce. Je décrète sur ton problème qui est mort. Quelle que soit la situation que tu traverses, qui est mort, j'ordonne, reviens, relève-toi, manifeste-toi, reviens à la vie, au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a levé la main et il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais ce n'est pas à cause de moi que je prie, c'est à cause d'eux. Vous voyez? Il savait que Dieu allait l'exaucer. Bien-aimé, il est indispensable pour chacun d'entre nous de prendre la décision de vivre par la foi. Parce qu'il est impossible de vivre par la foi tant qu'on n'a pas pris la décision de vivre par la foi, parce que la vie par la foi est un choix que nous faisons. Je choisis de vivre par la foi. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Et je vous encourage à faire le choix, parce qu'il est plus facile de vivre par la foi que de vivre dans le doute. La vie de foi est plus aisée. Même si à l'apparence, elle semble être plus difficile. Vous savez, ta vie ne sera jamais glorieuse, jamais victorieuse, jamais agréable sans la foi. Tu pourras avoir toutes les connexions les plus importantes, avoir tout l'argent dans ton compte bancaire, marié à la personne la plus, puissante de la terre. Mais si la foi n'est pas dans ton cœur, ta vie sera misérable. Il n'y a que la foi qui nous garantit une vie victorieuse et une vie épanouie sur la terre des hommes. La vie par la foi. Et je vais vous dire une chose, la foi n'échoue jamais. Elle n'échoue jamais. Celui qui a décidé de vivre par la foi a scellé sa vie dans l'univers du succès. Et ce n'est pas un succès humain, mais c'est un succès divin. Un succès éclatant. Un succès épatant. Un succès qui va confondre les personnes. Un succès qui va susciter des admirateurs et des jaloux. Un succès qui va amener le diable à grincer des dents. Et les gens vont se poser la question. Mais comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? Ce sera simplement la manifestation de l'œuvre de la foi au travers de ta vie. Il faut bien que chacun d'entre nous sache que Dieu n'a vraiment pas l'intention d'utiliser des personnes extraordinaires. Nous sommes dans la dispensation où Dieu a décidé de prendre les personnes les plus ordinaires pour faire avec elles des choses les plus extraordinaires. La foi qui est dans ton cœur fera de toi une personne distinguée dans ta génération. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas comme un vulgaire, c'est pas humain, qui a été écrasé au passage par une voiture. Non, tu ne mourras pas simplement par une balle perdue qui a été tirée quand il y a une guerre. Parce que ta vie, quand tu vis par la foi, elle devient tellement précieuse que le hasard n'existe plus. Elle est sous le contrôle de la haute puissance de l'Éternel. L'attention du ciel est sur ta personne quand tu vis par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne chourai pas. Car la foi n'échoue jamais. Vous allez vous rendre compte que souvent, pour justifier leur vie misérable et la décision que certaines personnes ont fait de vivre dans la mendicité apparente, certaines personnes disent, oh oui, soutenez-moi, car je vis par la foi. Bien aimé, celui qui vit par la foi n'a pas besoin de soutien. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la vie par la foi, c'est la décision de vivre avec le soutien du ciel. Et si le ciel te soutient, tu n'as pas besoin d'aller mendier sur la terre. Car plus grand est celui qui est là-haut et en nous que ceux qui sont à côté de nous. Et souvent, j'ai vu des choses terribles. Les gens, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire. Ils te disent, bon, écoute, demain, je vais te donner de l'argent ou le mois prochain, mais ma soeur, mon frère, prie avec moi, c'est par la foi. Comme pour dire que si je ne te donne pas, ne te plains pas, parce que c'est par la foi. Aussi longtemps que vous mentionnez par la foi, vous êtes en train de dire à la personne que c'est plus sûr qu'un chèque certifié. Vous n'avez pas compris. Parce que le banquier peut certifier le chèque, et le temps de venir, la banque est fermée. Ou alors la banque a fait faillite et on ne peut pas te payer. On a déjà vu ça. Mais tant que la parole de foi t'a été accordée, et que tu dis c'est par la foi,
Est-ce que vous me comprenez? Rien ne devient impossible. Quand on dit c'est par la foi, ça marche. Donc, la foi marche. Dis à ton voisin, ça marche. Encore, ça marche. Vous savez, c'est avec cette même foi-là, ou sa puissance, que âgé de 27 ans, après avoir entendu le Seigneur me parler à 26 ans, j'ai pris la résolution de quitter mon pays, allant dans un pays où je ne connaissais personne. Je dis bien personne. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, après avoir entendu Dieu me dire, quitte ton pays, ta patrie, va en Côte d'Ivoire annoncer ma parole de foi, afin de permettre à mon peuple de saisir les promesses que j'ai pour eux et d'accomplir, n'est-ce pas, sa destinée. Je ne connaissais personne dans ce pays-ci. Quand je suis parti, mes propres frères ont commencé à pleurer. Mes amis se sont moqués. Mes propres leaders n'ont pas cru en moi au point où ils ont jugé utile, pour limiter la catastrophe qui s'était en train de se préparer, d'envoyer quelqu'un d'autre superviser le travail parce qu'apparemment j'étais jeune. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous marchez par la foi, il n'y a plus de respect de votre taille, de votre sexe, de votre âge. Vous opérez dans la dimension où la possibilité devient quelque chose d'accessible. Simplement parce que vous avez cru. La foi n'échoue jamais. Donc si tu n'es pas sûr, vous voyez, ce n'est pas la foi. Quand tu es dans la foi, c'est que tu n'es pas sûr. Que tu es sûr, que tu es sûr, alors tu n'es pas dans la foi. Donc il faut être sûr que tu es sûr. Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu es sûr? Et que tu es encore sûr? Que Dieu va le faire. Alors tu es dans la foi. Donc tu dois être sûr que tu es sûr, que tu es sûr que Dieu va le faire. Alléluia. Et là, tu agis par la foi. Parce que la foi ne tolère pas l'échec. Un jour, j'enseignais à l'école biblique, quand on avait commencé au niveau de deux plateaux à l'ENA, nous étions en train d'enseigner, j'enseignais sur la foi. On a terminé les cours. À la sortie des cours, les étudiants papotaient à l'extérieur de la classe et ils se racontaient des histoires. Ils étaient contents en partageant les leçons. Il y a donc, par inadvertance, un des étudiants qui a laissé tomber son trousseau de clés, qui est allé directement dans la rigole, et la rigole était dallée. Donc il n'y avait que des trous, et il était, pour enlever, il fallait donc aller chercher du matériel pour casser et prendre son trousseau de clés. J'ai entendu distinctement la voix du Seigneur qui m'a dit, prends un fer, prie sur le fer, impose la main, mets-le dans le trou et enlève les clés. Donc, et on venait d'apprendre le cours sur la foi. Et donc je suis arrivé devant les étudiants, j'ai dit, la foi n'échoue jamais. On a pris un trousseau, j'ai demandé une barre de fer, on me l'a donné. J'ai mis ma main au bout de la barre de fer, j'ai appuyé et j'ai commencé à prier dessus. J'ai mis dans le trou. Dès que ça a touché le trousseau des clés, c'est devenu l'aimant. Le trousseau est remonté. Il n'y avait pas de crochet. Accroché sur la barre de fer. Pourquoi? Parce que quelque part, il y avait Dieu en action. Attends-toi à vivre des choses incroyables qui vont arriver dans ta vie de tous les jours parce que tu as décidé d'agir par la foi. Alléluia. Amen. C'est important d'agir par la foi. Donc, nous devons comprendre jusqu'où la foi est capable d'agir. L'action de la foi est terrible. Nous devons comprendre jusqu'où la foi peut agir. Numéro 1, nous devons comprendre que c'est par la foi que nous avons accès au royaume des cieux. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la foi que nous avons accès au royaume des cieux. Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit, c'est par la foi, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. En quelque sorte, Dieu te fait grâce, mais c'est la foi qui saisit la grâce. Donc, s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce. La grâce, je ne peux la saisir que parce que j'ai eu la foi. Est-ce que tout le monde comprend? Bien que le salut soit disponible pour tous les hommes, je veux vous garantir que tous les hommes ne seront pas sauvés. Parce que tous les hommes
n'auront pas eu la foi au Fils unique de Dieu. C'est la foi qui nous donne d'avoir accès au salut. Deuxième chose qu'on doit comprendre sur l'action de la foi, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Romains 5, verset 1. C'est par la foi que nous sommes justifiés. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On est justifié par la foi. Donc, je ne suis pas justifié parce que j'ai payé une grosse offrande, parce que j'ai mené la vie la plus pieuse. Je suis justifié parce que j'ai cru en Dieu. Donc, c'est la foi qui me justifie. Et suivez-moi bien. Quand la Bible parle de justification, c'est que Dieu te donne de paraître devant lui comme un homme ou une femme qui n'a jamais péché de par le passé. C'est ça la justification. Tu redeviens sur la position que Adam avait avant la chute dans le jardin d'Éden. Donc quand on est justifié, on paraît devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas de péché. C'est ça la justification. Et donc, ceux qui sont encore dans le voile de la religion, il faut comprendre ça et être délivré des chaînes de la religiosité. La justification, c'est par la foi. Troisième chose à comprendre, c'est par la puissance de la foi, agissant par la foi, que nous sommes gardés dans la foi pour le salut. Je reprends. C'est par la puissance de la foi, agissant par la foi, que nous sommes gardés dans la foi pour le salut. 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Ça veut dire qu'une fois qu'on est sauvé, nous demeurons dans le salut par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne demeures pas dans le salut. Vous avez déjà vu des personnes qui vous disent, « Ok, ça fait longtemps, j'ai attendu, je suis à l'église, ça fait 10 ans, je ne vois rien. Rien ne bouge. Je vais quitter, je vais aller dans une autre église. Ah, rien ne bouge. Le pasteur n'est pas... » C'est pas une question du pasteur n'est pas ouin, c'est qu'il y a une absence de foi dans ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de foi. C'est la foi qui te garde dans le salut. Et quand vous voyez des gens qui commencent à rétrograder, j'ai attendu que Dieu le fasse. Dieu a pris trop de temps. Maintenant, je le fais moi-même. Ces personnes sont en train de dire, je sors du boulevard de la foi et je m'installe dans la vallée du doute et du ridicule. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes ne savent pas être gardées dans la foi, par la foi. C'est la foi qui nous garde dans la foi. Ça veut dire quoi? Je dois avoir la foi que je mènerai sur la terre la vie la plus épanouie, la vie la plus correcte, la vie la plus engagée, la vie la plus bénie. C'est la foi qui me donne d'être gardé dans la foi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un moment où le diable vous demande, est-ce que tu crois que tu vas tenir dans l'affaire de Dieu là pendant longtemps encore? Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas la foi, vous ne restez pas dans la foi? Il faut la foi pour demeurer dans le chemin de la foi. Donc nous sommes gardés par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que souvent les matins, au lieu de continuer de répéter, oui, Père, je te salue, Sainte-Marie, je te salue, Père de Dieu, au lieu de te mettre à dire des choses sans sens, parle à Dieu selon selon ton âme qui s'agite et se trouble. Et tu te lèves devant le trône de Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai des pressions énormes. Et le diable est en train de vouloir me récupérer et de me basculer dans la vallée du doute, du ridicule, de la honte et de l'échec. Mais par la foi, je reste sur le chemin de la foi. Parce que je sais que je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est par la foi. C'est par la foi. D'ailleurs, quand vous marchez par la foi, vous devenez humble. Vous vous rendez compte que ce n'est pas par vos forces que vous faites tout ce que vous faites. Un homme de foi reconnaît que l'action qui se produit n'est pas de sa force, mais de la force de Dieu, à laquelle il s'est connecté et donne toute la foi, la gloire à Dieu. D'accord? C'est très important. Quatrièmement, la foi aussi opère comme un bouclier. C'est un bouclier qui te protège contre tous les assauts enflammés de l'ennemi. La foi est un bouclier. Amen. La foi est un bouclier. Éphésiens 6, verset 16. Ayez en tout temps le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits. Vous voyez?
tous les traits, pas certains traits, mais tous les traits. Faites comme moi, n'ayez pas peur de le dire, Éphésiens 6, verset 16. Faites comme moi, n'ayez pas peur de le dire. Dites-le à Satan, dites-le à vos amis, dites-le à votre femme, dites-le à votre mère, dites-le à tous ceux qui vous côtoient. Le diable ne peut rien contre moi. N'ayez pas peur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le diable ne peut rien contre moi. N'ayez pas peur. Ne soyez pas comme des poules mouillées. Dès qu'il y a un bruit dehors, vous commencez à dire peut-être le diable est là. Non. Même si on prend mon lit et on m'installe en plein enfer, je dormirai tranquille. Car le sommeil du juste est reposant. Et si tu essayes de mettre un mouton devant ma porte, pensant que tu me fais du mal, je vais examiner si c'est encore bon. On va le rôtir, on va le manger. Il n'y a rien dedans. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a rien derrière. Parce que je suis protégé contre tous les assauts du malin. C'est tout. Ce n'est pas certains assauts. Arrête tes histoires, non. Ma mère, elle me fait ci. Ma tante me fait ça. Mes filles me fait ça. On m'a jeté un sort. Et c'est leur problème. Ils vont jeter millions de sorts. Ce n'est pas contre moi que ça arrivera. Personne ne me touchera. Bien-aimé, si le diable a accès à toi, c'est un signe clair que ta foi a disparu. Qui est Satan pour oser t'atteindre? Pourquoi vous donnez tant de crédit à Satan comme s'il était au-dessus de celui que vous servez? Est-ce que vous connaissez qui est l'Éternel? Est-ce que vous connaissez qui est El Shaddai? Est-ce que vous connaissez qui est Jéhovah Jireh? Est-ce que vous savez qui est Jéhovah Rapha? L'Éternel est au-dessus? Est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir foi en Dieu. Vous savez, quand vous commencez à agir par la foi, les gens vont vous traiter d'orgueilleux, d'insolent, de prétentieux. Mais souvenez-vous que c'est la même chose qu'on a dit à Jésus. Pourquoi vous voulez que je me ressemble aux autres? Je ne suis pas les autres. On n'a jamais vu un pasteur qui roule en Porsche. On n'a jamais vu. Pourquoi vous voulez que je roule en vélo? Ben, écoutez, ça c'est leur problème. Est-ce que vous me comprenez? C'est leur problème. La foi va t'amener dans l'univers de la distinction. Quand tu vis par la foi, tu es distingué. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la foi te donne de saisir toutes les promesses du ciel. Cinquièmement, notez-le. La foi vous donne de saisir toutes les promesses de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Marc 11, verset 24. La Bible dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La bonne nouvelle que j'ai, c'est que hier, pendant que je préparais ce message, mon portable était allumé et quelqu'un m'a appelé. Et il m'a dit, je suis avec un négociateur qui vend les hélicoptères et les jets privés. On veut te rencontrer pour en parler. J'ai dit, appelez-moi demain soir. Parce que je n'ai pas peur d'en parler, bien-aimé. Quand les gens commencent à jaser parce que tu es dans une Porsche, crois en Dieu maintenant. Ils sont en train de te pousser pour quelque chose de plus grand. Demande quelque chose de plus grand. Amen. Est-ce que tu me comprends? Si on se plaint parce que tu habites une villa, habite un château. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Jusqu'à ce que le diable ferme sa bouche. Qui est le diable pour s'amuser avec les enfants du Très-Haut? Il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que David disait, j'ai l'âme tranquille comme un enfant sevré auprès de ma mère. Bien-aimé, tous les jours, je suis à la mamelle de Dieu en train de sucer les nectars et les trésors du royaume. Je me réjouis de sa parole. Je sature mon âme intérieure de sa parole. Car je sais que c'est en elle que se trouve mon avenir. Pourquoi tu penses que Dieu va créer ton monde en fonction de l'argent que tu as dans le compte bancaire? Ah non, pasteur, prie pour moi pour que j'ai un homme riche. Pourquoi tu veux un homme riche? Pourquoi tu ne veux pas être riche toi-même? On dit aime ton prochain comme toi-même. Tu veux un mari riche? Il faut croire en Dieu pour être riche toi-même. La femme vertueuse n'est pas celle qui demande. La femme vertueuse est celle qui assiste. Est-ce que vous me comprenez? Il est gentil, il est gentil. Sois gentil toi-même, où est le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Ne te limite pas. Pourquoi tu penses que ta vie, tu dois te vivre comme une censure attachée à quelqu'un? Simplement pour prendre ce qu'il a aussi. Tu ne peux pas produire quelque chose? Il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dieu peut faire des merveilles avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Il faut le faire. Margaret Thatcher n'est pas un homme. Condoleezza Rice n'est pas un homme. Il y a des femmes avant toi qui ont marché avec Dieu. Sarah arrive, mais elle a porté la promesse. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es fille de Sarah, crois au miracle. On vient à l'église, on est là. Pasteur, je cherche. Et puis tu voyais des gens qui vont parachuter dans le monde, se réfugier
hein, dans ces hommes minables, bonhommes qui ne méritent même pas avoir une fille de Dieu. Tu te prends pour qui toi? Est-ce que tu as vu qui est ton Dieu? Prenez-vous au sérieux. C'est honteux. Et on dit, je vais à l'église. Quelle église? Tu t'es installé dans le boulevard de la honte. Tu as mis ta natte dans la vallée du ridicule. Tu as livré ta dignité au diable. Et tu oses dire, je suis enfant de Dieu. N'appelle pas le nom de cette église. Il faut avoir la foi. Amen. Dis à ton voisin, il faut la foi. Dis encore à ton voisin, il faut la foi. C'est important. C'est important de vivre par la foi. Rien à voir avec la tradition de tous les jours. La foi, c'est une vie dynamique, d'une relation vivante avec son Créateur. Arrêtez ces choses-là. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Puisque Dieu veut tant qu'on vive par la foi c'est quoi? Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire que la foi espère et la foi se démontre. Donc, pour avoir la foi, pour que ce soit la foi, il faut que j'espère une ferme assurance de l'espérance et la démonstration. Ça veut dire que si j'ai cru en quelque chose, ça arrive. C'est tout. Ça arrive. Est-ce que vous me comprenez? Ça arrive. Je crois, ça arrive. Il faut juste croire. On n'a pas dit de passer un diplôme pour un truc. Non, non, c'est juste croire. Croire simplement. Croire simplement. Croire. Ferme assurance. Et après, la démonstration. Ça veut dire que la démonstration, la manifestation, l'exaucement, la matérialisation de la preuve, l'évidence de son existence prouve la foi. Donc arrête de dire je vis par la foi et on ne voit rien dans ta vie. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Si je vis par la foi, il doit y avoir un mouvement. Et d'accord, on va dire, ah oui, mais pasteur, les enfants d'Israël sont passés dans le désert pour atteindre la terre promise. Oui, mais le problème, c'est que vous ne comprenez même pas. Le désert était l'endroit où Dieu était en train de montrer au peuple d'Israël qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'il est parti se passer dans le désert. Parce que dans ce désert, pendant que toute autre personne tente l'aventure dans le désert, ils meurent, ils avaient la manne et la caille. Il n'y avait pas de restaurant, mais ils étaient nourris. Il n'y avait pas de prêtre à porter, mais ils étaient vêtus. Dieu a montré sa présence. On ne voit rien dans ta vie. Stérilité, sécheresse, improductivité. Même tes paroles sont vides. Il n'y a rien. Et puis tu dis, Dieu me teste. Dieu m'éprouve. Tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Tu es sur le lit 3 mois, tu dis, oh, que la volonté de Dieu soit faite. Dieu me teste. Le diable est en train de te boxer. Et tu dis, Dieu me teste. C'est pas Dieu qui te teste. Tu ferais mieux de saisir la parole. De t'agripper à elle. Et de confesser que par le meurtre de Christ, je suis guéri. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, ce n'est pas du tapioca ou du hamburger ou de la teke que tu manges. Hein. C'est la foi, ça veut dire que tu tiens ferme. Ferme assurance. Ça veut dire que même quand les choses semblent pas aller dans la direction où ça ne doit pas aller, tu dis j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ça va se faire. La ferme assurance. C'est pas les histoires où on dit tu vas payer le loyer le 31. Le 28, tu n'as pas vu. C'est pas encore venu. Tu viens à l'église, on dit lève les mains, tu es là. Et après, on te dit, pasteur, vraiment, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Comment tu as l'impression que Dieu t'a oublié? Et vous savez, c'est pour ça que les hommes comme Élie, c'est des hommes particuliers. Élie face au prophète de Baal. Quand on a dit, on verra qui de nous sert le vrai Dieu. Les prophètes de Baal sont venus. Oh oui, que le feu descende. Ils disent, oh, le feu descende. Peut-être même qu'ils parlaient les langues ribides. Vous savez, le parler en langue, ce n'est pas la garantie que c'est Dieu qui est derrière. On peut parler les langues du diable. Hein. S'il y a les langues des anges, il y a les langues des démons. Ah, yeah! Ce n'est pas ça. Ce n'est pas les cris. J'ai Satan, je casse ton cou. Je brise tes ailes. Ah! Ce n'est pas les cris. C'est pas des cris, c'est une question de foi.
Quand Élie est arrivé, il dit, écoutez, vous avez terminé de faire tous vos cinémas là. D'accord, donnez-moi maintenant de verser de l'eau sur les... Les gens ont commencé à dire, mais ce gars est fou. Au moins, il fait chaud, peut-être le soleil va aider au feu de prendre. Ce n'est pas une question d'aide naturelle. Parce que quand tu opères par la foi, tu transcendes tous les ordres naturels. Tu vas dans la dimension surnaturelle. Et il le savait. Il dit, donnez-moi des verres, de l'eau. On verse de l'eau. En versant de l'eau, même si on mettait le feu avec la main, ça ne prenait plus. Souvent, Dieu veut t'amener au point où toute possibilité dans le naturel est fermée. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire, mais c'est parce qu'il veut trop faire. Et il veut bien faire. Parce qu'il veut épater. Amen. C'est parce qu'il veut bien faire. Il fait partout. Et là, tout le monde, il attire l'attention de tout le monde. On commence à dire, ah, regarde la fille, elle est à l'église depuis, elle a 47 ans, il n'y a pas de mari. Vous voyez, il ferme partout. On croit que tu es mort, c'est là alors maintenant qu'il arrive et il se montre. Là, tout le monde est obligé de lever les mains pour dire, waouh, cette fille a un Dieu, ce gars a un Dieu, son Dieu est merveilleux. Est-ce que vous me comprenez? Pensez-y, quand vous lisez la Bible, Abraham a attendu 25 ans. Et Dieu avait changé son nom depuis longtemps en Abraham, père d'une multitude. Les gens se moquaient de lui, mais il a cru. Il a cru et il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, car il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut croire. Il faut croire simplement. Vous voyez? La foi nous amène dans un univers incroyable. Et donc Élie a versé l'eau sur les sacrifices. Il a arrosé et le feu a pris. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous, quand il y a des défis, vous n'avez pas d'eau. Absence de parole dans le cœur. Vous ne savez pas citer la Bible sur vos défis. Parce que le feu s'embrase quand l'eau est versée. Et l'eau, c'est le symbole de la parole. Vous dansez, vous chantez, mais il n'y a rien à l'intérieur. Vous voyez, il faut la parole. Dis à ton voisin, il faut la parole. Encore, il faut la parole. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit que si tu crois, tu mourras. Non, 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 non. Il n'a pas dit, peut-être tu verras. Il dit, tu verras, certainement. Donc, pour voir la gloire, je dois croire. Et on croit avant de voir. On ne voit pas avant de croire. On croit avant de voir. On ne voit pas avant de croire, mais on croit avant de voir. Et quand on croit, c'est au présent. Et on voit au futur. Le verbe croire est composé au présent. Je crois, je vois, je verrai. Je crois et je verrai. Je crois et je verrai. Donc si je crois aujourd'hui, je verrai dans le futur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et laissez-moi vous dire une chose, suivez bien. Donc le futur, ce n'est pas demain. C'est là où j'arrive. Le futur, c'est aussi demain, mais ce n'est pas simplement demain. Le futur peut être la seconde après. Parce que quand il est 10 heures, 10 minutes, 10 secondes, 10 tierces, alors dès qu'il devient 10 minutes, 10 secondes, 11 tierces, on est dans le futur. Le futur, c'est ce qui vient juste après le présent. Et ça peut être en termes de secondes. Tout dépend de l'activation puissante de l'onction qui est derrière. Et du plan arrêté du concepteur. D'accord? Donc, si quelqu'un est malade, dans cette salle aujourd'hui, il sera guéri pas demain, mais aujourd'hui. Mais vous voyez, mais il faut d'abord qu'il ait la foi avant que la guérison n'arrive. Parce que c'est la foi qui crée l'attraction de la manifestation. C'est la foi qui crée l'attraction. Je crois et cela arrive. D'accord? Est-ce que ça va? D'accord. Et ensuite, n'oubliez pas, bien aimé, souvent on a tendance à croire que c'est parce que ça dure que Dieu a dit non. Mais vous savez, moi j'ai tellement vu Dieu agir que quand il y a quelque chose qui tarde, et je me tiens simplement sur sa parole et j'attends calmement. J'attends calmement. J'ai fait le choix de vivre la Bible dans toute sa largeur. Vous voyez? Dans toute sa plénitude. Si ça tarde, tu attends. Parce que celui qui t'a promis est fidèle. Imaginez un seul instant que le téléphone sonne. On dit à Monsieur Lass, ici présent à la salle, on attend. D'abord, la première réaction, c'est qu'il a l'impression que c'est un jeu. Et après, il insiste et il voit que c'est vraiment la voix du président. J'ai décidé d'être nommé directeur général de telle compagnie. Quelle est sa réaction? Quand il raccroche,
et qu'il sait que c'est le président qui a parlé, dites-moi, aura-t-il confiance ou pas? Si. Pourquoi? Parce que c'est le président. Mais si maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui vient qui dit Obumu, Obumu François, le président va te nommer à la direction, à la chambre de commerce. Son degré de foi à la parole ne sera pas la même que si c'est le président lui-même. Pourquoi? Parce que ça dépend de qui parle. Est-ce que vous comprenez? Ça dépend de qui parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand c'est Dieu qui parle, celui qui a créé le monde, qui a mené à l'existence toutes choses, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, quand il te parle, il n'attend de toi que tu ne puisses simplement croire. Parce que lui, il est capable d'amener à manifestation la promesse qu'il annonce dans ta vie. Alléluia. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois. Et il dit, si tu as cru, alors tu verras. En quelque sorte, si tu ne crois pas, bien que je te l'ai dit, tu ne verras pas. Donc souvent nous-mêmes, nous sommes les ennemis des promesses que Dieu nous a annoncées. Vous voyez? Et donc, vous ne pouvez pas faire confiance aussi à quelqu'un que vous ne connaissez pas. En même temps, si le président de la République m'appelle deux fois, trois fois, et me dit, écoute, je vais faire telle chose pour toi, la deuxième fois, il ne fait pas. La troisième fois, quand il appelle, dès qu'il raccroche, je me tourne vers ceux qui sont là, qui sont dans le secret, je dis, bon, il m'a encore appelé, mais vraiment, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit quelque chose une fois et il n'a pas fait. Vous comprenez? Mais est-ce que Dieu t'a déjà menti? Est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose qu'il va faire et il n'a pas fait? Mais pourquoi tu n'as pas confiance en Dieu alors? Oui? D'accord. Si je demande qui croit en Dieu ici, tout le monde lève les mains. D'ailleurs, même si le diable est assis ici, il va lever les mains lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, le diable croit que Dieu existe et il tremble. Donc tout le monde croit à son existence. Ah, d'accord? On va progresser. Maintenant, si j'ai confiance en Dieu, Dieu que je ne vois pas, Dieu n'est pas physique. Dieu, je ne vois pas. Donc, alors, je devrais... Comment je connais Dieu? Comment Dieu se révèle à moi? Par sa parole. Jean 1:1, au commencement, était là. Parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Vous voyez ça? Donc, tout ce qui a été fait par la parole, pas par l'argent. Donc, le succès ne vient pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Non, 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 non. Par la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, si j'ai confiance en la parole de Dieu, ça équivaut à dire que j'ai confiance en Dieu. Donc, si ma confiance est placée en Dieu, ça veut dire que j'ai confiance en la parole de Dieu. D'accord? Parce que lui et sa parole sont un. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas faire confiance à Dieu sans faire confiance à sa parole. La deuxième définition, c'est la foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Une conviction fondée sur la parole de Dieu. Et on verra plus tard la profondeur de cette déclaration. Une conviction fondée sur la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a parlé, tu places une conviction dessus. Elle est fondée sur la parole. Amen. Donc si tu arrives et que tu trouves la voiture de ta soeur, dehors, ne pose pas ta main dessus, tu dis je possède. C'est pas comme ça. Non, 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 non. Je possède. Ou tu possèdes la maison de ton voisin. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est par la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est par la foi. Tu possèdes par la foi. Pas par l'imposition de main, mais par la foi. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre comme troisième définition, la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Donc la foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. La foi saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Ça veut dire que Dieu a des promesses pour nous, entre sa main. Mais pour avoir accès aux promesses, je dois déployer ma foi. Vous voyez que Dieu te donne des promesses, tu les saisis par la foi.
Suivez-moi. Vous allez vous rendre compte que c'est là où on a un problème dans le corps de Christ. Dans le plateau de bénédiction, il y a la santé, il y a le mariage, il y a l'élévation, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité, il y a toutes ces choses dedans. Quelqu'un vient avec sa main et il tend, il dit, je récupère la guérison et il s'en va avec. Quand il quitte le plateau de la bénédiction, il va dire aux gens, Dieu est un Dieu de guérison. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'il a reçu. Quelqu'un d'autre arrive, il regarde, il met la main sur la prospérité, il va avec. Vous voyez? Mais chaque fois qu'on prend, ça se remplace. Il y en a pour tout le monde. Et alors, quand tu vois ton frère avec la prospérité, et que toi tu as la santé divine, ne te dis pas, il fait du faux. Ne te dis pas, mais non, c'est certainement le diable qui lui a donné. Parce que moi-même, je marche avec Dieu, je n'ai eu que la santé. Non, tu as eu la santé parce que ta main est allée chercher la santé. Il y avait tellement dans le plateau que tu pouvais récupérer et la santé, et la prospérité, et la paix, et la joie, et l'élévation. En tout cas, moi, je suis venu avec un sac. Je prends, je mets, je prends, je mets, je prends, je mets, je prends, je mets. Aussi que, vous voyez, sans te limiter. Le problème, c'est que nous nous limitons par notre foi. C'est pas Dieu qui nous empêche de prendre. C'est notre foi qui nous empêche de prendre. Et vous voyez, donc si tu es assis à un pupitre, sous un pupitre, où on te dit, Dieu ne veut pas que tu sois grand. Dieu ne veut pas que tu sois élevé. Dieu veut que tu sois haut au ciel. Dieu ne veut pas que tu sois président. Dieu ne veut pas que tu joues au football. Si tu es sur un pupitre pareil, à cause de ce que tu entends, ta vie est conditionnée et ta main ne pourra pas aller récupérer ce que tu n'as pas entendu que Dieu peut faire. C'est pour ça que moi-même, souvent, je me regarde et dis, Johan, grâce à Dieu de ce que... Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Et j'ai dit, Seigneur, tant que je suis là, les gens verront la foi. Amen. Ça peut paraître prétentieux, mais je parle de moi. Je ne parle pas de toi. Amen. Au moins, si le diable te le dit, dis Raoul Wafo est là. Donc, on peut encore voir un homme ayant la foi sur la terre. Et appelle ton propre nom si tu fais le choix. C'est une question de choix. On va voir des choses incroyables. Je vais vous montrer la simplicité de la foi. J'ai dit simple. On a trop compliqué et mystifié ce sujet. Simple. Qui va t'amener à nager dans une dimension incroyable de visitation divine. En fait, quand tu as compris la foi, tu te diminues devant Dieu. Et tu te rends compte que tu n'es rien. Et que lui est tout. Vous voyez? C'est très important. Et donc, alors, la foi... Vous notez, est un style de vie dans le royaume de Dieu. Dieu veut qu'on vive par la foi. C'est un style de vie dans le royaume. Habacuc 2, verset 4 dit, voici mon âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Habacuc 4, verset 2. C'est un style de vie. Habacuc 2, verset 4, plutôt. Ensuite, Romains 1, verset 17. Parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Trois textes clairs qui nous demandent que le style de vie auquel nous sommes appelés à vivre sur la terre, c'est la vie par la foi. D'accord? La vie par la foi. Alors, suivez-moi bien. On y reviendra d'ailleurs dès la prochaine session mercredi. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fondé par quoi? Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. En quelque sorte, bien aimé, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, je peux ne pas avoir quelque chose et avoir quelque chose. Les gens peuvent dire je suis pauvre alors que je suis riche. On peut dire que je n'ai rien alors que j'ai tout. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas que je n'ai pas. Oh là là là, est-ce que tu as compris? Amen, c'est le style de vie. Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, le monsieur qu'on a envoyé, le révérend qu'on a envoyé ici, qui devait superviser le travail, qui était directeur de mission, quand on s'est rencontré le premier jour, il m'a posé la question. Assis, et sa femme était là, il y a un autre missionnaire, Feu de Fesson Tapla, le Seigneur l'a rappelé, il m'a posé la question, comme me faisant asseoir en tribunal.
Il m'a dit, ok, tu as insisté pour venir en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord te rappeler que l'école biblique ne te payera pas. À la fin, ils ont fini par me donner 15 000 francs CFA par mois. Ma maison coûtait 90 000. J'ai été payé 15 000 pendant 2 ans en Côte d'Ivoire. Et donc, quand il m'a dit ça, ma réponse était claire. J'ai regardé avec les yeux de détermination. Et je lui ai dit, quand il m'a posé la question, je lui ai dit, je vivrai par la foi, car c'est le style de vie auquel je suis appelé. Quelques temps plus tard, ce n'est pas un film nigérien, réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas. Quelques temps plus tard, ils sont venus me rendre visite chez moi. Parce que quand ils me disaient ça, j'étais avec les réfugiés. Quelques temps plus tard, ils sont venus chez moi, lui, sa femme. Ils se sont assis à mon salon. Et sa femme a regardé son mari et elle a dit que si Dieu a fait ça pour Raoul, il peut le faire pour nous. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils avaient des revenus de l'école supportés par l'Amérique, ma vie était meilleure à la leur. Pourquoi? Parce que je vivais par la foi. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que c'est que vivre par la foi. C'est extraordinaire. Je vous parle des jours où dans la maison, couché, la veille du jour où je dois payer mon loyer, sans un centime, je me lève le matin, je trouve sous la porte une enveloppe avec le montant de mon loyer. C'est ça, sans savoir qui l'a mis en bas. Je ne peux jamais oublier quelqu'un qui a décidé de mettre sa confiance en lui. Il y a encore des choses que la foi est capable de produire que la Bible n'a pas mentionné. Tu ne peux pas simplement imaginer ce que Dieu peut faire si tu décides de vivre par la foi. D'ailleurs, il insiste en disant, Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Vous voyez, mon juste, celui que j'ai justifié, celui que j'ai mis à part, il vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça veut dire qu'on peut commencer et après se retirer. Mais je prie et je déclare sur ta vie que ce ne sera pas ton partage. C'est dramatique de se retirer du chemin de la foi. Quand quelqu'un se retire du chemin de la foi, il vient à l'église vide. Tu marches, mais le ciel au-dessus de toi est comme si ça n'existait plus. Tu es triste. Tu peux mettre les boucles d'oreilles et le maquillage, mais tu sais bien qu'il n'y a rien. Mettre le costume et la cravate, mais tu es comme nu. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Pas de foi. Dis à ton voisin, ne te retire pas de la foi. Encore, ne te retire pas de la foi. Hébreux 11, verset 6 dit, oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? On ne peut pas plaire à Dieu quand on n'a pas la foi. C'est grave, hein? C'est terrible. On ne peut pas plaire à Dieu quand on n'a pas la foi. Waouh! Que celui qui s'approche de Dieu. Écoutez-moi bien, je vous pose une question. Est-ce que vous méditez la Bible? Méditez ce texte. Celui qui s'approche de Dieu. Alors je poserai une question, je dirais, pasteur Beugré, approche-toi de moi. Voyez, il s'approche. Il n'est pas allé vers là, n'est-ce pas? Il s'approche. Ça veut dire qu'il sait que j'existe. Vous comprenez? Et il y a une différence entre savoir que Dieu existe et croire qu'il existe. Selon le texte. De croire que Dieu existe. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Cette personne qui s'approche de Dieu doit avoir la révélation de ce que Dieu est capable de faire pour la personne qui vient. Donc ne t'approche pas simplement pour dire « je m'approche de Dieu ». Mais approche-toi parce que tu crois qu'il existe. Et tu t'attends à ce qu'il te rende visite en retour. Et te comble de toutes sortes de biens. Parce qu'il dit il est le rémunérateur. Donc il récompense le fait de s'approcher. Quand j'ai compris ça, j'ai déclaré que tous les païens de la terre, je suis au-dessus d'eux. Vous n'avez pas compris. Certains d'entre vous, le vrai problème, c'est que vous continuez de vivre comme si vous êtes des hommes. Je ne suis pas un être humain qui est... Non, je suis devenu fils de Dieu. Donc la nature divine est en moi. Quand je m'approche de Dieu, je sais qu'il existe. Donc bien que Dieu soit invisible, il est pour moi l'être le plus présent. Il est plus vrai dans ma vie que ma propre femme.
Je vous garantis. Je crois qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Les gens ne croient pas en Dieu. La preuve, dès que tu as mal à la tête, la première réaction, « Oh docteur, j'ai mal à la tête. » Dieu dit, si tu t'approches de moi, dès qu'il y a un problème, crois que j'existe et que je suis capable de résoudre le problème auquel tu es confronté. N'appelle pas quelqu'un d'autre alors que tu t'es approché de moi. En quelque sorte, ne joue pas avec notre relation. Je veux jouer mon rôle à tes côtés. Crois que j'existe. Quand tu as un problème d'argent, quelle que soit la situation, crois que j'existe et que je veux et je peux intervenir. Vous voyez ça? Crois que l'Éternel existe. Combien de nous croyons que Dieu existe véritablement? On lève la main, on l'adore, mais dès qu'on a un problème, on a comme l'impression qu'il faut absolument que quelqu'un d'autre intervienne pour que le problème soit réglé. Bien-aimé, si vous n'apprenez pas, je vous dis bien, vous n'apprenez pas à devenir vierge, c'est-à-dire sans aucune relation connectée à votre vie, en tant que tel, Dieu ne vous rendra pas enceinte. Il faut être vierge. Personne à qui tu peux aller demander, ni à gauche, ni à droite. Et cette virginité oblige le ciel à te rendre visite. Dieu n'aime pas rendre visite aux personnes qui ont déjà un mari ou une relation. Marie était vierge. Dans l'incapacité d'avoir quelqu'un d'autre qui lui donne un fils. Et c'est là que Dieu est venu. Donc le fait que tu n'aies personne, c'est agréable. Parce qu'en fait, tu as quelqu'un de plus important. Et dans la foi, apprends justement à avoir personne pour qu'il soit présent. Crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, je dois être conscient de sa présence. Amen. Alors dis Seigneur, rends-moi conscient de ta présence. Vous voyez, la conscience de la présence de Dieu et de la capacité de son action puissante. C'est ça la clé. Je suis conscient qu'il est présent et je suis conscient de sa capacité à agir puissamment. Ça, c'est ma réaction première. La capacité à agir puissamment. Quel que soit ce qui arrive, Dieu t'en délivrera. Donc, si quelqu'un arrive et me place un fusil sur la tempe, je vous garantis que ma réaction ne sera jamais de paniquer. Parce que j'ai appris une chose. Chaque fois que vous paniquez, vous autorisez l'action de Satan. Et chaque fois que vous vous tenez dans la foi, Dieu intervient à votre égard. Ma première réaction sera de dire à cette personne, vous vous êtes trompé de personne. Je suis en juste. Je suis en saint. Je suis en fils de Dieu. Et c'est pas un fusil qui met fin à ma vie. L'audace fait trembler votre adversaire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et je vais vous dire que quand vous commencez à vivre comme ça, vous aurez d'abord pour premier ennemi les personnes même qui sont dans la maison de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui vont commencer à dire, ah lui là, il se prend pour... Non, bien-aimé, écoute, tu te prends pour qui tu es, un enfant de Dieu qui a un Dieu à ses côtés. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est très important. Très important. Donc, Dieu a un plan pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Encore, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Et il va réaliser le plan. Dis, il va réaliser le plan. Ne soyez pas comme Abraham à ses débuts. Quand Dieu lui a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham est allé lui-même fabriquer sa bénédiction. Quand Dieu t'annonce qu'il veut te bénir, laisse Dieu faire. Vous voyez? Et c'est pour ça que Hébreux 11, verset 10 dit, que ceux qui sont morts, sans voir ce qu'ils attendaient, ils ont vécu à la terre promise, comme vivant sur des tentes, c'est parce qu'ils avaient le cœur attaché à une cité, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu peut être l'architecte et toi tu décides d'être le constructeur. Non, il veut être l'architecte et le constructeur en même temps. Donc il fait les plans, il te dit, bon, voilà comment est-ce que la maison à la vie va ressembler, voilà à quoi ta vie est. Ouais, rattaché, voici ce que tu deviendras. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois. Et le reste, c'est lui qui fait. C'est pour ça que même quand nous agissons, c'est lui qui agit par nous. Vous comprenez la profondeur? C'est lui qui agit par nous. C'est sa puissance qui agit par nous. Donc, il veut bâtir le plan et construire.
lui-même. Vous savez que tous les architectes ne sont pas des constructeurs. L'architecte conçoit et il passe à une société de construction qui vient exécuter le schéma. Et il y a des gens qui viennent à dire, oui, bon Dieu, demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je sois, que je fasse, Seigneur, ah, tu prêcheras la parole. Amen. Il sort de là. Oui, prophète international des nations. Vous voyez? Et tout de suite, il commence le ministère sans directive de Dieu. Dieu t'a vraiment appelé, c'est vrai. Il a fait les plans, c'est vrai. Mais tu construis sans lui. C'est ça le problème. C'était vraiment son plan. Mais ce n'est pas lui qui construit. Alors qu'il dit, je veux en même temps faire les plans et construire. C'est pour ça que généralement, quand tu te trouves dans la position où tu es pressé pour faire la chose toi-même, Dieu va te laisser t'épuiser au point où tu dis, bon, Seigneur, je ne peux plus. Il dit, ok, c'est ce que j'attendais depuis. Tu es trop zélé. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, j'ai donné des os. Je t'ai donné une forme. J'ai choisi ton sexe. Je t'ai donné tout tes reins, ton foie fonctionne. Et tu commences à vouloir me montrer que tu es trop fort. Donc, je te laisse faire. Quand tu arrives au bout, et puis tu ne peux plus rien, il dit, ok, laisse-moi faire. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Abraham arrive au bout, il dit, Abraham, laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Il donne une énergie nouvelle. Imaginez Abraham à 100 ans, 99 ans, en train d'aller avec sa femme. 99 ans. Vous imaginez ça? Déjà, je veux vous dire une chose. Hein. Écoutez-moi très bien. Là, je vous parle très profondément. Déjà, la vie physique de Sarah devait lui donner une indication de la présence de Dieu à ses côtés, mais elle a ri. Parce que âgée de cet âge-là, après de 90 ans, Sarah a été désirée par un roi. Ça veut dire que la préservation de son physique était déjà un signe que Dieu était à ses côtés. Mais elle n'a pas compris. Et Dieu a agi miraculeusement. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a commencé une œuvre, il veut l'achever. D'accord? Reste simplement ancré dans sa parole. C'est un danger de vivre dans l'ignorance. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périra faute de connaissance. Puisque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné une loi. Dans Genèse 2, verset 15 à 17, tu te mets dans le jardin pour le cultiver et le garder. Tu pourras manger le fruit des arbres de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand le diable est venu, Genèse 3, verset 1 à 6, il a séduit Ève et Adam qui ont transgressé la loi de Dieu. Et c'est ainsi que Satan a pris la domination sur Adam et Ève. Aussi longtemps que vous avez la connaissance de la parole de Dieu, et que vous la mettez en pratique, vous fermez totalement toute porte d'accès à Satan. Et donc, gardons nos pensées ancrées et enracinées dans la parole de Dieu. Confessons la foi en l'Éternel et notre vie sera resplendissante de gloire. Écoutez-moi très bien. J'étais simplement en train de vous introduire ce qu'on va voir pendant 4 jours. Des moments incroyables. Des moments extrêmement bénissants qui vont nous permettre d'aller à un autre niveau, à une autre dimension avec le Seigneur. Partout où je suis passé, et tous les hommes de Dieu, de plus et des âgés, à ceux de ma génération et ceux qui sont en bas, ont reconnu une chose, disant, nous savons que tu as une foi spéciale. Mon propre père spirituel, 3 ans après ma conversion, quand on a travaillé ensemble, il m'a dit, tu as une foi spéciale que Dieu t'a donnée. Et je veux communiquer les secrets que le Seigneur m'a donnés concernant la foi, pour que tu puisses aller dans une autre dimension de la marche avec Dieu. C'est accessible à tous, la foi. Tout le monde peut l'avoir et agir par elle. Nous avons tous une mesure de foi quand nous sommes enfants de Dieu. Nous parlerons de cela. Et je crois que ce sera pour chacun d'entre nous une extraordinaire bénédiction. Que Dieu te garde, que Dieu te comble et que Dieu te bénisse. Amen. On va se lever, on va confesser. On va prier ensemble, lève-toi et tu vas répéter après moi cette parole. Éternel des armées, en ce jour, je fais le choix de la foi. Je veux vivre par la foi le restant de mes jours sur la terre des hommes.
Car je sais que la foi est indispensable pour te plaire et mener une vie épanouie et resplendissante de gloire. Je déclare sur ma propre vie, parce que j'ai la foi, je demeure dans la foi. Je suis gardé sur le chemin de la foi et protégé contre tous les assauts de l'ennemi. Parce que j'ai la foi, ma vie est meilleure. Parce que j'ai la foi, j'hérite les promesses. Parce que j'ai la foi, je suis en bonne santé. Parce que j'ai la foi, mon rêve se réalise. Parce que j'ai la foi, Dieu agit à mon égard. Je déclare que l'Éternel, qui est mon Dieu, par sa parole, me donne de voir des choses que je n'ai pas vues avant. Ma vie est un témoignage de la grandeur de Dieu. Je crois que l'Éternel est vivant et puissant. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.